Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qui se passe, mon dieu? Bonjour et bienvenue dans The Long Dark. Nous sommes le week-end. J'espère que vous passez un très bon week-end. Nous sommes prêts pour l'aventure et ça va bien se passer. Bienvenue à tous. Donc, bienvenue pour un nouvel épisode filler. Non, je déconne. On va faire 50 épisodes filler, ok? On va se passer notre temps à Mystery Lake et on va rien foutre. Et on va juste se rappeler du bon vieux temps. Non, je déconne. Alors, on va partir. On va partir, on est plus que prêt. On est plus que prêt pour partir. Normalement, j'ai quasiment tout prêt déjà. Donc, on devrait pas rester longtemps. Pas ici longtemps. Par contre, on est un peu en plein milieu de la nuit encore. Donc, ça va être un problème. On va voir s'il fait froid ou pas, en fait. Donc, notre but, notre mission, si tu peux l'accepter, on va devoir repartir donc au barrage Carter. Qui, Mystery Lake, ça c'est la rivière, ça c'est le barrage, par là. Et on va tomber donc sur la vallée Charmante. Et après on ira au mont Timberwolf. Bon. Alors la bonne nouvelle, c'est que on n'est jamais allé à la vallée Charmante dans cette saison-là. Honnêtement, j'étais sûr qu'on était allé au début, en fait, au tout début. Mais en fait, non. Nous, on avait, je crois, on était... Je crois que sur cette saison, il faudrait vraiment que je regarde les épisodes. J'ai pas de mémoire, ok? Je suis vieux, merde. On est arrivé sur la... Je crois qu'on avait commencé sur le site de Désolation, avec la forge et tout ça. Donc après, on est directement allé sur l'autoroute côtière. Et après, de là, on n'est pas resté très longtemps. On est allé directement à Mystery Lake, enfin, Lac Mystère. Et puis après, on a utilisé la forge de Muskegmorn. On est revenu, et après, on est reparti, on a fait... Voie ferrée détruite. Non, on a fait Creek Lugubre, une fois après avoir fait nos équipements. C'est bien parce que dans un sens, ça nous rappelle un peu ce qu'on a fait. On a fait Creek Lugubre, donc la nouvelle zone avec les loups gris. C'est ça, hein. Et après, on a fait Voie ferrée détruite, qui était plutôt cool, c'est bien passé. Et après, on est allé à Milton. Oui, parce qu'on était malade, donc on a fait Creek Lugubre, parce que je voulais partir en aventure vu qu'on était malade. C'est super pas logique, mais c'est pas grave. Après voie ferrée, après on est revenu, après on a fait Milton, après Milton on a fait vallée de la rivière Cal, et maintenant on est de retour au lac Mystère. Donc maintenant on va aller sur le côté nord-est. Je sais pas en fait si c'est le nord en haut, j'imagine. Enfin, en haut à droite quoi. On va aller en haut à droite. Du coup on va faire la map de Vallée Charmante. Ça devrait pas être très compliqué par rapport au climat, honnêtement, j'imagine. J'imagine que ça va plutôt bien se passer. Donc on a des vêtements en très très bon état. Il y a juste ça à la limite, on est à 85%. Je crois qu'on n'a pas d'ours en ce moment au lac Mystère. Donc bon, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Par contre j'ai une peau qui est presque finie. Elle est à 85%, un truc comme ça. J'avais envie de passer des jours, mais honnêtement c'est très très chiant de passer des jours à rien foutre dans The Long Dark. C'est très 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 relou. Donc du coup on va partir maintenant, voilà. Parce que le plus important, c'est quelque chose que je peux pas vous montrer parce qu'il est là. Oh là là. La fenêtre elle est bleu clair, c'est bizarre, c'est beau. Le plus important c'est ça. Oh, le sac de couchage qui est déjà à 99%, mais t'es sérieux? Je l'ai fait hier, enfin dans le jour quoi. Enfin, je veux dire hier dans le jeu. On l'a réparé, il était à 100, il est déjà à 99%, enfin bref, voilà. Il est à 99%, donc c'est le plus important. Nous avons donc, j'ai réparé, donc on a des... Alors bien sûr, couteau 100%, hache 100%. Nous avons une bombe, nous avons ça à 84, nous avons un pied de biche à 100. Nous avons donc l'outil de qualité qu'on est allé récupérer, très bien. Nous avons deux scies à 100%. Donc c'est quand même vraiment facile hein, de réparer les scies. Il suffit d'un morceau de métal et une caisse. Et ça fait 25%, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc c'est très bien, on a deux scies. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va peut-être être un peu trop. Mais au moins on sera prêt, hein, c'est le principal, au moins on sera prêt. On a 10 morceaux de métal, c'est pas beaucoup, mais ça suffit largement. Hein, 10, parce que c'est à chaque fois 25%, donc c'est très très bien. Surtout qu'on va rester un moment dans la vallée charmante et on va sûrement trouver du métal et tout ça. Après, donc vêtements, j'ai dit, ils sont tous réparés. Nous avons ça, donc nous avons encore 10 Raichi de côté, nous avons 5 écorces et 5 Sino-Rodon. Et après nous avons des trucs en plus, donc ça c'est bon, on va sûrement en trouver plein aussi à la Vallée Charmante. La Vallée Charmante est honnêtement une zone facile,
Par contre, les étendues, en fait, je l'avais déjà dit plusieurs fois, après, j'étais pas trop fan de la vallée, mais c'est que les points, entre les points d'intérêt, donc c'est-à-dire ville et tout ça, en fait, sont très très éloignés les uns des autres, donc il faut tout le temps un peu courir, marcher longtemps, donc ça, c'est un peu le problème. Mais voilà, mais on est prêt, honnêtement, on est prêt. Donc on va rajouter le sac de couchage, donc ça va faire 3 kilos en plus. Et on a déjà bon, 3 litres d'eau, c'est énorme, et on a 2 kilos de viande. Donc ça va, honnêtement, point de vue poids, on est très très bon. Et je crois pas qu'il y ait grand chose à rajouter dans notre inventaire. On a 16 flèches simples à 100%, nous avons un arc aussi à 100%. Nous avons donc 5 lignes et 5 hameçons, on sait jamais, ça peut être utile. On en a un déjà de près, ça on va le jeter, enfin, de toute façon c'est bientôt fini, je le garde juste parce que c'est bientôt fini. Nous avons 2 torches à 100%. Et nous sommes bons. Nous sommes très bons. Donc honnêtement, on peut partir maintenant. Pour le feu, donc comme j'ai dit, on a 24 allumettes, on a ça, ça et ça. Il n'y a rien à rajouter. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à rajouter. Je crois pas qu'il y ait quelque chose à rajouter. Ouais. Je réfléchis. On a un peu du café. Ça, c'est les cafés qu'on avait fait à la va-vite, là. Ils sont à 125 de calories, en plus. Donc, c'est bien. On a le bœuf. On est en pleine forme. Voilà. 40-69. Mais on va boire. Donc, tout va bien. On pourrait peut-être même poser un peu d'eau. Ouh, ce grésillement. Ah, regardez, maintenant c'est vert. C'est sympa. Ça, c'est sympa, la différence de couleur comme ça qui arrive de temps en temps avec les aurores boréales. Pardon. Donc, je crois qu'on va y aller, honnêtement. Je pense qu'on est bon. Je regarde un peu les choses, mais il n'y a pas... À la limite, je dirais quoi? Une lampe, mais le temps qu'on arrive au barrage, il va faire jour et puis on pourra dormir là-bas de toute façon. Donc, non, honnêtement, il n'y a rien à prendre. Il y a la corde d'escalade là. On a des... Ouais, non. On peut y aller. Je crois qu'on peut y aller. On a 15 flèches, 16 flèches en tout. Donc, il faudra faire quand même attention aux flèches. Hein. C'est pas inépuisable. Alors, à la limite, encore une fois, j'ai envie de prendre des fûts. Mais ça va faire du poids en plus. On a encore des flèches, hein, si on veut. On pourrait prendre des fûts. Mais honnêtement, je sais même plus où est le où il y a un endroit pour réparer les choses dans la vallée charmante. Bon, on trouvera au pire, mais je sais pas. On pourrait prendre des flux. C'est quoi 5 flux? C'est 0,25. On pourrait. Je sais pas. Ça vaut le coup ou pas? Vous pensez quoi? Oh putain, c'est rouge maintenant. C'est énorme ces couleurs. J'adore ces couleurs. Ça me rappelle un peu les épisodes de X-Files. 0,25. Ouais, ça passe. Enfin, quand même, pour vraiment détruire 16 flèches, quand même, il va falloir vraiment tirer tout le temps. Hein. Je veux pas dire. Hein. Moi, je pense que ça sert à rien. En fait. Je pense que ça sert à rien. Non, on va y aller comme ça, c'est très bien. Après, j'ai pas envie de finir par poser des objets et ne pas pouvoir rentrer avec, en fait. Allez, on y va. On est parti pour notre aventure. Alors, j'espère qu'il va pas faire froid. Non, ça va, c'est très bon. On va prendre de la viande en plus, on va passer par le lac. On est bon, hein, on est bon, tout est bon, tout est bon. Moins 6, c'est bon. Let's go. Je crois, let's go, je crois. Pff, ok, go. On va pas passer par le lac. On va passer par les rails. Vous voyez ce qu'il y a? Il y en a deux, au moins deux. Minimum deux. Donc c'est parti. Donc on va devoir aller au barrage. Oh, on a des... Merde. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a pas de charbon. On n'a pas de charbon. Donc il faut prendre du charbon. Il faut prendre du charbon. Parce qu'on va, dessiner à la vallée charmante. Charbon c'est là. Non, c'est pas là. Ah oui, j'ai refait un peu le rangement aussi.
ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Là, on commence à être un peu lourd, mais bon. Après, on pourra se limiter avec l'eau et la bouffe et tout ça. Allez, c'est parti. Cette fois, c'est parti. Ah là 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 là. Ah, ils sont toujours là. Ah, laisse tomber. On avance. Bon, normalement, on devrait pas tomber. Quoi ? Ok, c'était rapide. On devrait pas tomber à court de température avant, avant d'arriver au barrage. On va rester sur les rails parce qu'il y a de la lumière. Alors, je vais être honnête, je me rappelle plus trop de leur comportement en fait pendant les aurores boréales. Je crois que ce qui change énormément, c'est pas un loup ça encore, non. Ce qui change énormément, c'est qu'ils ignorent en fait tout ce qui est appât. Et ils viennent et ils sont plus agressifs, c'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à nous foncer dessus en fait. Je crois. Genre s'ils s'approchent en fait. Vous savez qu'au bout d'un moment ils nous foncent dessus quand ils sont trop proches. Là je crois qu'ils n'ont pas besoin d'être extrêmement proches pour nous foncer dessus. Mais c'est surtout le fait de d'ignorer les appâts en fait. Si je dis pas de bêtises. Il nous suit encore. Je sais pas s'il nous suit. Ouais non il a tourné. Ouais non il nous suit. On a les lampes, si jamais on veut se protéger. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ils ont pas peur aussi. L'autre il est arrêté par la lumière. Oh la vache. Ok, très bien, très bien, très bien. Ouh. Ah ça il est parti. C'est assez stressant quand même. C'est assez stressant. Ah oui aussi on a du tissu. On a un peu de tissu sur nous, enfin je crois bien. Donc on n'a pas de problème, hein. On a du matos. On est bon. C'est stressant quand même cette histoire de loup là. Et vous savez pourquoi aussi j'avais envie de me lancer dans l'aventure? C'est que j'avais envie de me changer les esprits. Alors je vais parler vu qu'on va au barrage. Y a pas grand chose à expliquer. C'est quoi ce bruit? J'ai eu un commentaire tellement con aujourd'hui, j'ai vu sur YouTube. Hier, genre, j'ai fait un stream sur Silent Hill Downpour, sur un émulateur. Mais c'est un stream, donc hein, vous savez ce que c'est les streams, on parle avec les gens et tout ça. Donc du coup, moi j'aime bien parler avec les gens, parce que les gens posent des questions, les gens discutent de ce qu'ils pensent et tout ça. Surtout en ce moment, vu qu'il y a plein de bordel qui se passe dans le monde. Donc du coup, on lance le stream, il y a l'intro, machin, et puis après je discute avec les gens. Et des fois ça peut durer genre 2 minutes, ça peut durer 5, 15 minutes, et tout ça. On va pas directement jouer au jeu quoi, c'est pas... Faut bien comprendre, c'est pas un let's play quoi les streams. Les streams c'est pour communiquer avec les gens, c'est ça quoi, c'est ça qui est cool. Et il y a une personne qui... qui m'a commenté sur la rediffusion du stream, parce que c'est directement en fait remis sur la chaîne.
Des fois, j'ai même envie de les cacher, les streams en fait de la chaîne. Genre, quand ils sont en live, ça passe, enfin tout le monde peut regarder. Et puis après, ils sont pas répertoriés, genre les gens peuvent pas les voir sur la chaîne. J'ai envie de faire ça des fois. Regardez-moi toutes les couleurs. Ouh, c'est beau. C'est beau. Et du coup, le message disait... Ouais, l'intro de 2 heures, tu peux pas couper... On peut pas couper le début quand on met en ligne des lives. C'est quoi ce bruit? Ah, qu'est-ce qu'on fait? On passe par en dessous? On pourrait passer par en dessous. Après, il y a de la lampe, il y a de la lumière, j'ai envie de viser, le faire courir, mais après, il va s'arrêter à la lumière. Enfin, je crois. Mais je suis pas sûr. Ah, c'est bon, il s'arrête. Peut-être qu'il va nous oublier si on passe par là. J'ai peur qu'il fasse le tour, honnêtement. Et du coup, le mec me dit ça, quoi. Je lui réponds, mais... je lui ai répondu quoi exactement ? Je lui ai dit, si tu veux... Il est en haut, ouais, il est en haut. Si tu veux seulement du gameplay, déjà, va regarder une vidéo de gameplay. Ne regarde pas une rediffusion de... Une rediffusion de stream. Et après, je lui ai dit... Et c'est aussi dur que ça d'appuyer genre sur la barre rouge pour genre faire avancer la vidéo. Genre, c'est aussi dur que ça. Ok. Mais bon. Et après, je lui ai dit adieu, quoi. Donc, le mec, je l'ai... genre, ce qu'on peut faire, ce qui est pas mal sur YouTube, honnêtement, c'est on peut rendre des personnes, en fait, genre leurs commentaires invisibles. On va aller là. Par rapport aux commentaires, en fait, sur les vidéos et tout ça. Même sur le chat en stream, ça marche. Genre, ils peuvent toujours voir la vidéo et tout ça. Ils peuvent commenter, eux. Mais leur commentaire ne sera pas vu, en fait. Par quiconque, en fait. Donc, par moi... par les autres gens, les autres personnes et tout ça. Et je crois que c'est une des meilleures choses. C'est retirer en fait la parole au con, la plupart du temps. En gros, c'est comme ça que je le traduis, moi. C'est vraiment retirer la parole au con. Et pour moi, une personne comme ça, c'est un con, quoi. Genre, le mec, il veut absolument voir ce qu'il veut lui, quoi. Genre, en plus, ça, j'en avais parlé depuis des années, c'est comme ça maintenant, et c'est un gros problème. Avec les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus aucun respect, en fait, par rapport à ce que tu fais. Genre, moi je dirige ma chaîne comme je veux, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Si je veux faire ce jeu là, je fais ce jeu là, même si personne le regarde, c'est pas grave, c'est pas important. C'est ce que je veux faire. Moi ma chaîne c'est une sorte de journal intime quoi. Mais qui restera et que les gens peuvent partager si jamais ils sont intéressés. Et basta, c'est que ça. C'est je fais les choses que j'aime. Et si ça plaît pas aux gens, bah regardez pas, merde. Oh la vache. C'est fou quand même que les gens soient comme ça. On va... Je sais pas si on devrait partir maintenant ou attendre qu'il fasse jour. Genre attendre que l'aurore boréale s'arrête à la limite. Parce que c'est quand même dangereux avec les loups à l'extérieur. On a bien joué parce qu'on est passé par les rails, il y avait beaucoup de lumière. Mais voilà, pour juste finir sur le sujet, ça m'a vraiment... Enfin, encore une fois, ça m'a montré que voilà, les gens... Oh putain, c'est vrai qu'il fait... Ça m'a montré encore une fois que les gens ont zéro respect en fait pour les autres quoi. Genre ni bonjour ni merde, les mecs direct se plaignent. Genre il faudrait que pour les streams, les seuls streams que je coupe, si jamais vous voyez des coupures un peu brutes et tout ça, genre par exemple, genre ça coupe entre dans une phrase et tout ça. C'est parce que j'ai dû couper en fait pour les problèmes de droit d'auteur, c'est-à-dire musique à droit d'auteur ou partie de trailer à droit d'auteur ou des choses comme ça, pour éviter que ma chaîne ait des problèmes par rapport à ça. C'est seulement ça, mais si je vois qu'il n'y a aucun problème et que je me dis que je ne vois pas en fait une raison pour couper, je ne vais pas couper, c'est un stream, oui, ben c'est un stream quoi. Je parle avec les gens, beaucoup de gens apprécient ça. Je vais pas couper ça. Je vais pas me rajouter du boulot en fait. Pour rien, déjà, pour rien. En plus que ce que je fais déjà. Merde. Enfin voilà quoi. Et encore une fois, je répète encore une fois, c'est pas mon boulot. Hein. C'est juste une passion. C'est juste, j'aime bien faire ça. Il y a des gens qui aiment bien m'écouter, puis basta quoi. C'est pas. Hein, c'est pas aller bosser à 6h du mat quoi. Donc je vais pas me faire chier juste pour quelques cons qui apprécient pas une chose quoi.
Ah mon dieu, mon dieu. Les gens, voilà, les gens sur internet. Voilà. J'en parle maintenant, comme ça j'en reparlerai plus. Mais voilà, encore une fois, si j'en parle à vous, c'est pour... si jamais il y a des gens qui ont déjà fait des réflexions comme ça, réfléchissez deux secondes avant de les faire. Genre... c'est... les gens veulent partager leur passion, ils veulent pas... Ils veulent pas le faire autre chose, quoi. Enfin, en tout cas, pour la plupart du temps, c'est ça, c'est partager leur passion. Après, si vous aimez pas, vous regardez pas, quoi, mais allez pas faire chier la personne, quoi. Surtout pour des trucs... inutiles, comme ça. Genre, c'est trop dur d'appuyer sur la barre rouge en bas. Genre, même cette vidéo, vous pouvez complètement l'avancer jusqu'au point où on est à la vallée charmante, si vous voulez. Si vous voulez pas voir le chemin, hein. Vous pouvez faire ça, hein, tout le monde veut faire ça. On en revient un peu... Ah, putain, j'aime pas trop parler de ça, mais... Parce que j'arrête pas d'en parler au final. Enfin, j'arrête pas d'en parler. J'en parle, on va dire, assez souvent. C'est un peu comme le fait qu'il y a beaucoup de cons dans le monde, bah du coup, et on est un peu obligé d'en parler. Je pense qu'on peut prendre cette porte, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'on peut prendre cette porte. Le truc, c'est que on en revient un peu comme, par exemple, j'aime bien les émulateurs et tout ça, j'aime bien aider les gens pour les émulateurs, mais et je mâche énormément le boulot pour les gens, genre en faisant des vidéos et tout ça, en montrant, en mettant les liens et tout dans la description et tout. Et il y a quand même encore des gens qui sont là, oh non, mais moi j'y arrive pas, fais-moi ça, fais-moi ci. Faut pas abuser quand même, je suis pas ta mère. Voilà, on arrêtera sur ça, sur cette parole, je suis pas ta mère. Ah mon dieu. Ah ah ah. Ah non, il fait un peu froid quand même. Ah mon dieu. Ah oui. Il y a un truc, c'est qu'ils arrivent à nous sentir d'en haut, quand on est en haut. C'est très très... C'est très très embêtant parce que s'ils ont pas peur, ça veut dire qu'ils vont nous suivre en fait tout le long. Ça c'est un peu emmerdant par contre. Mais bon, on va voir. Donc, nous sommes arrivés derrière le barrage Carter. On peut faire ça. On peut faire ça. La rivière sinueuse. Par contre, j'ai peut-être envie de me réchauffer et après on repart. Quoique... Non, c'est bon, on avance. J'ai pas envie de faire des allers-retours tout le temps. On aurait dû peut-être dessiner pour la carte... l'entrée du barrage. Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. On va pas... Ah, vous voyez? Ah, c'est bon, il a eu peur, lui. Mais vous voyez, il était en train de faire le chemin, en fait, pour nous rencontrer. Mais vu qu'il nous a perdu de vue, et après il nous a ressenti, il a eu peur du sac. Il me stresse, lui. On va aller là. Je suis jamais passé par là, en fait. Je sais pas si on peut passer. Parce que j'ai vu des corbeaux. Est-ce qu'on peut monter? Ah, on peut peut-être monter. C'est un peu une zone que j'ai jamais explorée ici. Je vais être honnête. Je l'ai toujours pris en ligne droite. C'est-à-dire, on reste sur la glace et on avance. Et on tombe sur le lac... la vallée, et basta. Donc... J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose, en fait. Même ça a l'air d'être plus haut, non? Ah, quoique non. Ok, c'est là. Je peux pas sentir mes mains.
Cool. Si on faisait du feu un peu. Si on faisait du feu. Histoire de récupérer la viande et manger. Et récupérer les champignons aussi, non? Vous êtes d'accord? Bah putain, ça valait le coup. Par contre, on va pas faire un feu là, parce que c'est débile. On va faire un feu à côté de la carcasse. Par contre, il y a du vent, ça c'est un peu emmerdant. Ah, on peut utiliser ça en plus. Ça, il fait pas assez de vent pour souffler le feu. J'espère que le loup, il est pas en train de monter. Normalement, quand on aura le feu, on sera protégé. Ah, quoique non, il peut pas. Vous avez vu le bordel que c'est pour monter? À moins qu'il y ait un autre chemin, mais il peut pas passer. Et il se bloquerait partout, en fait. Ok, donc on va utiliser d'abord ça. C'est le plus lourd. On va faire ça. Tac tac. Bon bah du coup on fait tout. Il y a quasiment rien. Ah merde, il était pas chaud en fait, encore. Ouais. 22 minutes, ok, très bien. Notre réchauffement a augmenté. On va pouvoir en profiter pour récupérer tout les champignons. Bah, c'est pas mal. Oh, je vois un cadavre en face. Encore là, c'est un cerf encore, je crois bien. On va récupérer un peu des morceaux de bois, on va voir si on peut pas faire un feu assez important pour récupérer des torches. Okay, très bien. On va... Wow, c'est beau ça. Ah, c'est bien cette mise à jour. Allez, on rentre. Enfin, on rentre. Voilà. Y a rien d'autre à récupérer. C'est quoi ça? Oh. Gibier cuit. Alors ça, on va le garder sur nous. Ça, on va le finir. Ça, on va le manger. Okay. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Cuir. On va mettre... j'aime pas le faire comme ça. Hop. Et... hop. On va en faire deux. Si on a récupéré Voilà. Et on va en faire deux autres qui cuisent. Enfin, un de plus. Voilà. Hop, faut faire vite. 15 minutes. 15 minutes, normalement, ça brûle pas. Enfin, je crois pas. Non, ça va. Il m'en reste combien, du coup, sur moi? Ok, on va encore en faire deux. Et après... après, on partira. Je veux pas trop rester ici en fait. Mais déjà c'est bien. C'est une bonne petite escale. Ah, très bien. On a encore 2 heures. On est quasiment... on est quasiment au max.
Non, on le gardera pour la fin. Enfin, pour plus tard. Ok, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On part maintenant. On a bien dessiné la route. C'est bien parce que ça a même pris la carcasse en face, quoi. Ça, c'est le barrage. Donc, nous, on va continuer. Il y a un cadavre gelé, apparemment. Nous, on est là. Hein. Il y a un cadavre là. Si jamais on a... Par logique, si on a peint, si on a dessiné jusque là, ça voudrait dire qu'il est en contrebas, j'imagine. Donc, on va continuer. Donc, faut continuer sur la rive de gauche. Faut continuer là. Faut trouver le cadavre. Voilà, ça se passe bien. Voilà, petit bonus. Très bien. Torche. On y va. On va pas prendre 50 torches parce qu'après on va être un peu lourd. On aurait pu même prendre la peau et tout ça. Hein. On aurait pu se... Hein. On aurait pu se blinder. Hein, mais on va pas se blinder maintenant. Ça sert à rien. Ok, c'est un bon chemin là. Ouais, ça doit être... Les corbeaux là qu'on voit, ça doit être le cadavre. On a, on est, il fait moins 1, très 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 bon. Ouais, ça descend, ouais ok, c'est une grotte. Et c'est juste au cas où si on entend genre un ours ou un truc comme ça. J'ai vu un sac de couchage. Un sac de couchage ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça fait 1 kilo. Il n'y a rien sous le... Faut regarder aussi sous les... La grotte elle est grande. Elle est large en fait. Elle est large sur les côtés je trouve. Il faut regarder aussi sur... sous les objets des fois. Il y a, y a d'autres objets en fait des fois. Voilà, très bien. Ah, c'est bon. Je vous ai dit, vous voyez qu'on est un peu encore sur une zone qui a du beau temps, qui a du très très bon temps. Donc ça se passe bien. Donc il faut aller ou à gauche ou à droite. Ça vous aide comme ça? Excusez-moi monsieur, il faut aller où? C'est quelle route qu'il faut prendre? Vous voyez la route qui part à gauche? Vous voyez la route qui part à droite? C'est où, à gauche ou à droite? Bonne chance. Vous avez 50% de chance de vous louper, mais vous avez quand même 50% de chance de gagner. Eh oui. Merci. Donc c'est là apparemment. Mais je pense qu'il va falloir remonter là. Vous voyez que là on dirait une sorte de chemin en fait. Je crois qu'il faut remonter. Ouais ouais, je crois. Ouais. Il faut remonter. Là. Ça se passe bien. Mais comme j'ai dit, voilà. C'est une zone tranquille et honnêtement la vallée charmante devrait pas poser trop de problèmes niveau froid. Là on a un nouveau sac de couchage. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que j'avais pas envie de le prendre au début. Mais pourquoi je l'ai pris? Je me suis dit peut-être que si vraiment il fait bon. Si vraiment il fait bon à la vallée charmante, ce qu'on pourrait faire c'est au lieu de prendre le gros sac de couchage qui pèse très lourd, et ben on prend celui qui pèse pas lourd. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Non, je crois que... Non, ok. Je vais arrêter de dire je crois parce que là, honnêtement, je sais plus. Ouais, non, ça, c'est l'éboulement. Non, honnêtement, là, je suis un peu à l'aveuglette. Je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin ici, de toute façon. C'est un ravin. Donc, faut avancer, quoi. Mais bon, je suis plus trop sûr. Donc on va voir. C'est ça les aventures. Ah oui, je vous ai pas parlé de la vallée charmante par rapport au, à où on apparaît et où est-ce qu'on doit aller. Alors, pour être court, regardez une carte qui est en forme de carré, ok? Là, il y a la grotte. On va aller à la grotte, je crois. Donc nous, on apparaît en gros en bas à droite. Et nous, il va falloir qu'on aille en haut à gauche. Voilà.
Ça, voilà, faut faire toute la map, d'accord? C'est pour ça qu'on va passer un bon moment dans la vallée charmante. On va passer un très bon moment. Et un long moment aussi. Alors, est-ce que c'est cette grotte? Ok, je crois que c'est ça. Alors, pour être honnête, j'ai bien envie d'aller voir à gauche, là-bas. Parce que je crois que c'est un cul-de-sac. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un cul-de-sac, mais... hein, comme dans tous les cul-de-sac, ça pourrait qu'il y ait des objets intéressants. Donc on va aller voir ça. Ça n'est pas très fatigué, on n'a pas trop sprinté. On a sprinté jusqu'où on a vu le loup, mais ça va. Là aussi, on est très protégé du vent. C'est un très très bon endroit si on veut faire un camp. Non, il n'y a rien. Est-ce qu'on a besoin de dessiner ou pas? Non, non, ça suffit. Bon, bah voilà. Honnêtement, déjà, on a fait une bonne partie. Elle n'est pas fatiguée. Ah bah tiens, on a chaud même. On a 0 degré, on a chaud, waouh. Et on a encore de l'eau, on a encore de la viande. On va manger la viande et tout ça dans la grotte. Donc on est très bon, honnêtement on est très très bon. Voilà, très bien. Ah, c'est une bonne aventure. Quand ça se passe comme ça, cool et tout, c'est sympa. C'est plutôt sympa de voyager. On va manger ça. Très bien. On va pouvoir... ça, on va le garder. On va le manger aussi, hein, parce que, bon, comme j'ai dit... si on est, genre, à la maison et tout ça, je les laisse de côté, ces choses-là. Mais quand on est comme ça... on a 0,6, ouais, non, c'est bon. Oh, bonjour. T'as pas eu de chance, toi. T'as pas eu de chance, machin. Oh, c'est un Cairn. Un Cairn. C'est un peu sombre. Je crois pas que cette grotte soit très compliquée. Je pense que c'est ligne droite. Oh, merde. Ok, c'est bon, ça va. J'allais allumer une lampe si c'était compliqué. Une source de lumière. Merde. C'est un cul-de-sac là, non? On voit un peu de lumière. Ah non, c'est l'endroit principal. Je crois que c'est là où on part. Oh putain, il nous faudrait vraiment une lampe. Oh la vache. Je pensais pas que ça allait être... ah, c'est pour la cuisine. Oh, on s'en fout. C'est vraiment pour la cuisine. On pourrait allumer... il y a du bois, on pourrait faire une torche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait une torche. Je crois que là-bas, c'est le chemin principal pour sortir de la grotte. On va aller voir là. Non. Oh merde, je vois rien. Je l'ai vu. Ok, on va faire une torche. On va faire une torche. On va faire une torche sur le feu là, parce que j'ai pas envie d'utiliser mes torches à 100%. Et puis après on va dire, hop, on a aussi un chemin là. Ouais, ouais, ok, d'accord. Il va falloir explorer. Et après aussi on a... on a, comment dire... est-ce que ça marche? Non, on aurait tout aussi. On a aussi... qu'est-ce que je voulais dire? On a quoi? Bah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, je voulais pas utiliser mes torches à 100%. Oui, on a récupéré des allumettes, donc bon, on a 12...
11, enfin 10 maintenant. On a 10 allumettes gratuites comme ça, donc à la limite on peut dire que c'est des allumettes gratuites. Voilà, donc ça va. On va dire qu'on était, on n'était pas vraiment censé les trouver. Mais puis faire un feu c'est toujours bien. On est à combien de kilos? On est un peu lourd. Hein. Je vais être honnête, on est un peu lourd, ça m'embête. Alors, d'abord on fait le plat et après on montera. Donc, je veux voir un peu ce qui se passe. C'est de là d'où on vient? Oui, je crois que c'est de là. Du charbon. Ouais, cul-de-sac, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, ouais je pense qu'il y a plusieurs bifurcations, mais ça reste un. Genre une entrée, une sortie et point barre. Quoi. Par contre, il y a un peu de charbon partout, c'est une bonne chose à savoir. Alors, nous, il faut qu'on monte, mais j'ai vu aussi là-bas, donc on va aller voir là-bas. Là, c'est cul-de-sac. Il y a beaucoup de charbon, quand même, hein, ici. Je veux pas y dire, mais... pas mal. Une chose qui serait bien, c'est que le HUD, on puisse l'enlever en fait. Choisir quand il apparaît, ce serait vraiment bien ça. Ah, très bien. Encore une fois, on pourrait prendre plusieurs torches et tout, mais hein, ça va. Genre les maintenir en allumé et tout. Mais comme j'ai dit, la zone va pas être très 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 compliquée. Donc on devrait pas avoir trop de problèmes. Oui, j'ai regardé, c'était un succès, parce que le dernier épisode, j'en ai parlé. Il y a un succès, il faut maintenir un feu 3 jours, en fait, allumé. Allumé pendant 3 jours. Mais après, vous pouvez le faire en n'importe quelle difficulté, donc... c'est pas vraiment intéressant de le faire pour nous, pour en intrus. Et il faut que ça soit un feu créé par vous-même, enfin c'est... genre un feu de camp, pas un feu qui existe déjà, enfin pas un baril ou un truc comme ça que je veux dire. Ok! Bienvenue! Bienvenue dans la vallée charmante. Bienvenue dans la vallée charmante. Alors on va se mettre là. Alors la vallée charmante, je la connais un peu. Je la connais bien. Je la connais quand même pas mal bien. Donc on devrait pas avoir trop de problèmes. Et en plus, on a honnêtement du beau temps. Donc on a déjà un cerf devant nous. C'est bien. Par contre, il y a du vent. Bon, de toute façon, la torche elle est morte. Donc on va aller vers le cerf. Regardons s'il n'y a pas des corbeaux quelque part, on sait jamais. On a un cerf là, très bien. Moins 1, c'est très très potable. Pourquoi je vais vers le cerf, enfin vers l'endroit du cerf, c'est parce que du coup ça voudrait dire qu'il n'y a pas de loup, comme d'habitude. Et surtout c'est que ça monte, et faire les montées dans un territoire inconnu, on peut avoir des mauvaises surprises à cause des loups qui peuvent être de l'autre côté. Mais vu qu'il y a un cerf, ça voudrait dire qu'il n'y a pas trop de prédateurs. Ou alors qu'ils sont loin. Oh, on a une cabane. Alors, on les a entendus mais ils sont loin. Donc parfait.
voyez, ça, c'est des petites choses, des petits réflexes qu'on prend, qui viennent naturellement. Alors, je sais pas si on va se taper tous les champignons de la planète, parce que je crois qu'ici, il y en a beaucoup. Je pense qu'on peut survivre en champignons ici. Alors bon, je pense pas qu'on va passer notre temps à en prendre. Parce que sinon on va jamais explorer rien du tout. Oh merde. Pff, les chiens, faut passer les poids, les proies, on s'en fout. On s'en fout. Il y a une grotte. Apparemment, il y aurait une grotte. On va aller voir la grotte. Il y a un lapin à droite, non? Un lapin, c'est ok. Il y a un cerf, il y a un cadavre encore. Vous voyez, la zone est cool. La zone est cool. Il y a des grandes plaines. Donc, je vais dire que c'est assez facile pour esquiver les... tout ce qui est animaux. Mais, ça peut aussi tomber dans l'autre côté. C'est-à-dire que il y a des grandes plaines. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de protection. Oh, on peut dormir ici. Cool. Il n'y a pas vraiment de protection si jamais il y a du vent et tout ça. Et du coup, vous pouvez être un peu bloqué, en fait. Du coup. Genre, par exemple, quand il commence à faire beaucoup de vent et tout ça, et que vous ne pouvez plus avancer, ben, vous êtes dans la merde. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour se protéger. Alors on pourrait dormir ici. Ah, c'est 600 calories ça. 600. Pourquoi pas. Ça donne extrêmement soif, mais on a assez. Ah merde, on n'a pas fini. Bon, c'est pas mal, on peut dormir ici. On va continuer l'exploration, parce que je voudrais trouver un meilleur endroit. Je me demande si on devrait pas commencer à... Peut-être... prendre des lapins ou des choses. Ah, on a le vent... On peut prendre des lapins peut-être. Après il y a les... il y a des rivières et tout ça. Il y a énormément de massettes. Par contre ça c'est relou. Alors, si vous voyez une maison, c'est quoi? C'est un arbre déraciné là-bas ou c'est une maison? Si vous voyez une maison, criez s'il vous plaît. Ah, c'est un arbre déraciné ça. Alors, il y a un peu de tout dans cet endroit. Il y a des maisons, il y a un village, il y a... Alors, il y a de la route aussi, il y a des voitures. Je crois qu'il y a des tours. Il y a même des bunkers, des genre des réserves. Il y a après les granges en plein milieu. Ah, tour. Ah, on va aller là-bas. Alors, par contre, on est un peu obligé de bifurquer à cause du vent. On va aller à la tour. Ça a l'air pas mal. J'entends les corbeaux. Ouais, donc il faut s'installer, trouver à manger, faire de l'eau. Comme d'habitude, vous connaissez la routine. Donc c'est pour ça que j'ai commencé déjà à prendre des lapins. C'est si jamais on prend trop de temps à trouver un endroit pour s'installer, au moins on aura les lapins. Ah, ça, ok, le vent souffle par l'arrière ce matin. C'est bon, on peut avancer. Donc on va voir la tour, je sais pas si à la tour il y a un bâtiment en fait, je me rappelle plus. Je sais qu'il y a deux tours, je crois.
Je crois. Ah, le vent s'est arrêté. Ok, on n'a pas froid, c'est déjà bien. On peut vraiment avancer. Mais il va faire nuit bientôt. Je crois qu'il y en a deux dans la zone. Mais je suis pas trop sûr. Je sais pas s'il y a des maisons à chaque fois. Donc on va voir. Mais là c'est plutôt cool. Là c'est plutôt safe. Donc si on pourrait s'installer là déjà, ça serait bien. Parce que apparemment on a entendu des loups. On a eu un cerf pas loin. Donc on peut déjà faire une bonne réserve de bouffe. Je vais rester une journée, deux journées ici. Faire un peu le tour et après partir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, et comme je disais, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir un temps plus ou moins comme ça tout le temps. On va peut-être dessiner aussi. Vu qu'il fait bon. Ouais, très bien. Et il faut faire un feu aussi pour le... pour le charbon, hein. C'est quand même très très utile. Là on a du bois, on a du petit bois, on a du gros bois, on a la hache, on peut faire ça. On a les scies, mais bon, je voudrais pas vraiment abîmer les scies maintenant. Il y a des corbeaux. Je vois pas de corbeaux. Ah, il y a un enclos. Dis-moi qu'il y a un petit cabanon ou une merde, non? Yes. Ok, je crois que... Oh, on est bon, je crois qu'on peut rentrer dedans. Oh, on peut couper ça. 1 heure. Oh, 1 heure pour 5 bois. Oh, c'est énorme ça, par contre. J'entends des corbeaux, mais je les vois pas. Je suis aveugle. Colline du signal. Ah, il y a un baril. Ah, je sais l'endroit, je connais l'endroit. J'étais déjà venu. Ah, c'est là. Ah, mais il doit être en contrebas, le cadavre, je crois. Ok, là, on a un rocher pour une corde. Bon, on n'a pas de corde, c'est un peu bête. Ça serait vraiment bien de trouver une corde. Ouais, non, laisse tomber. Il est en contrebas, il est très loin. Ça serait vraiment bien de trouver une corde parce que directement on pourrait descendre en fait. Oh, regardez-moi cette vue. C'est énorme. Ah, ça c'est une bonne vue ça. Ah, ça me plaît. Mais qu'est-ce que je voudrais des... Ah, des saloperies de jumelles. Oh mon dieu. Ah la vache. Ah, ça c'est cool ça quand ça se passe bien. Alors, pour vous dire. Donc nous, le mont Timberwolf il est là. En gros, il est là en gros. Donc on a plusieurs endroits de points d'intérêt, on va dire. Donc on a après, on a le côté rivière avec des arbres et tout ça, écorce. Donc on pourrait trouver facilement des écorces et faire des tisanes là. Ça c'est pas mal parce que c'est quand même rare. Après là on a une petite grange. Là on a une grange un peu plus grosse. Très très bon endroit pour survivre. Là-bas aussi pareil, très très bon endroit pour survivre. Après je crois qu'il y en a une qui a un lit et d'autres non. Non, je crois que les deux ont des lits. Les deux, parce qu'on peut dormir dans la voiture. Donc là, on a la route avec le pont. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est cette route-là. Parce qu'il y a une autre route, en fait, sur l'autre côté. Mais c'est une route plus petite, en fait. Elle est recouverte de neige et tout ça. Alors là c'est vraiment une route avec le béton et tout ça. Je crois que... On voit ou pas? Non, on voit pas. Je crois que là, il y a le village, là-bas. Le village avec une église, plein de maisons à fouiller, à plein d'endroits... Donc on est vraiment super bien placé. Et par contre, vu que nous on peut pas prendre la corde, parce qu'on n'a pas de corde. Alors peut-être qu'on va trouver une corde dans le bâtiment. Ça serait vraiment cool, hein, parce que comme ça on irait beaucoup plus vite. Mais on va devoir descendre par la droite, comme ça. Et après on se retrouve sur la route, donc du coup on pourrait s'abriter là. Après on irait directement à la grange, ou alors on pourrait directement aller au village. Le village est cool, le village faudra aller le voir. Et après là, ce que je vois là. Je crois que ça, c'est un cabanon de pêche, si je dis pas de conneries. Je suis pas trop sûr. Je crois que c'est un cabanon de pêche avec une petite rivière. Pas une rivière, genre un petit lac, un truc comme ça, je sais pas quoi. Et je crois qu'on peut pêcher. Je crois qu'on peut pêcher. On voit un loup, là, sur la glace? Ou un ours? Non, ça, c'est pas un loup, ça, c'est un ours, ça. Là. Ça, c'est...
C'est trop gros pour être un... Ouais, non, ça c'est un ours. Et il est trop lent aussi. Ça c'est un ours. Donc on a déjà un ours là-bas. Très 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 bon. Très 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 bon. On a déjà un ours. On pourrait... Je serais pas contre aller attaquer l'ours, moi, en fait. Déjà. Pour récupérer de l'ours. Comme ça, on a déjà énormément de bouffe. Alors, c'est de 1. Et de 2, on aurait la peau. Et on peut la faire sécher directement. Je pense que ça serait la meilleure solution. Ce serait ça. Bon, allez, on va rentrer. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Bon, par contre, il fait un peu de nuit. Ah, ça fait chier. Ouais, ça, c'est un peu emmerdant, le fait qu'il fasse presque nuit. On voit assez. De toute façon, on refera un tour quand... Quand il fera jour. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Je pensais pas que ça allait être aussi sombre. Parce que sous les étagères et tout ça, il y a souvent des merdes. Et je vais rien voir. Ouais, c'est vrai. Il va falloir refouiller. Après, c'est pas grand, hein. C'est pas grand du tout, hein, mais... Fusée? Je la voyais même pas, la fusée. J'ai juste vu le nom, en fait, apparaître. On a des chaises qu'on peut couper. Caisse en carton. Là, on a un bureau. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Si je vois rien... Bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, on va faire le genre les tiroirs, les conneries comme ça qui sont faciles à fouiller. Et après, tout ce qui est objet à l'extérieur en fait de compartiment, on le fera demain. On regardera. Bon, on a rien. On n'a pas un peu de bouffe là? Ce serait bien de trouver un peu de bouffe pour le temps de tenir en fait. C'est quoi ça? Ah, boîte de café. Boîte de café, très bien. Allumette, très bien. Sardine. C'est quoi ça? Pêche au sirop. Je vois... Il y a quelque chose de plus... Non, je vois... Grippin. Je vois pas. En plus, c'est de plus en plus sombre. Il y a rien. Ah, établi! Établi! Ouais, c'est cool. C'est vrai que s'il y a un établi là. Voilà, tout, tout simplement, il y a un établi. Est-ce qu'il apparaît pas une corde? Ah, ce serait bien qu'il y ait une corde qui traîne. Des choix, rien. La casier. Ok, maintenant moi j'ai du... Waouh. Okay. Pas mal, pas mal. Moins bien, moins bien. Je vois. Est-ce que sous le lit il y a quelque chose? Je vois rien. Je sais pas s'il y a quelque chose sous le lit. Ok. Bon, mais je crois qu'on a fait le... Ouais. On a 50 et quelques. Ok. Donc. Alors déjà, ça, on le laisse là. Ça aussi. Ça aussi. Très bien. Alors, vu qu'on va camper ici, on va faire ça. On va faire comme ça, on va la jouer comme ça. Hop. Hop. Voilà ça. On a 43 kilos, on a une torche, enfin une fusée, on la laisse. Flèche simple, on va en poser 10 ici. Ça nous fait un peu moins lourd. On a les lapins, il faut faire les lapins. Les lapins sont lourds. Hop, très bien. On va mettre le bois à l'extérieur. On ne peut pas faire de feu à l'intérieur. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais on peut faire un feu à l'extérieur. Et on est assez bien protégé de tout ce qui est loup et tout ça, donc c'est vraiment cool. Sans déconner. Ça passe à travers? Non.
s'est bloqué. Ok, bien. Je savais qu'au bout de 3 flèches, il crèverait. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Les loups, les ours, ils viennent à nous? Deux heures. Là, ça ferait quoi? Une heure? Non, là, ça fait quoi? 28 minutes. On utilise le couteau. 30 minutes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? L'ours vient à nous. L'ours est venu à nous. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Si? Non. L'ours est venu à nous. Incroyable quand même. Comme histoire. c'est énorme. C'est juste énorme, ok? C'est juste énormissime. C'est juste énormissime. C'est juste à côté de chez nous, merde. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Sérieux? C'est juste à côté. On va mettre le bois là. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, ce jeu. Alors, on a... Ah, il nous faut de l'eau, il nous faut plein de trucs. On va rentrer. Ah là 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 là. On va poser la peau, on va poser le... Et moi qui me disais, oh, on va devoir descendre... On va passer par là-bas, on va faire ça ici, on va passer par la forêt, la rivière, on n'a pas la corde, c'est embêtant, blablabla. Bah, l'ours il est venu chez nous, quoi. L'ours il est venu nous voir. Qu'est-ce que... Bah voilà quoi, c'est tant mieux. On va prendre ça. On va prendre ça. Ça par contre ça va m'abîmer le couteau je crois, parce que j'ai pas de... J'ai pas de truc. Ça fait 1h17. Attends, elle est fatiguée, il est quelle heure? Elle est bien fatiguée quand même. On va juste prendre la nourriture, comme ça, ça sera le plus, c'est le plus important en fait. Parce qu'il faut qu'on ait de la réserve, en... quoi que non en fait, parce qu'on a des, on a des steaks de... On a des steaks d'ours maintenant. Ouais, mais les steaks d'ours, c'est genre 1 heure pour les faire, c'est chiant. Là, on aura des petits morceaux de viande. Ok, très bien, on va manger ça. Alors attendez, si je dis pas de bêtises... Notre couteau, il est à 99%. On a le... Voilà, parce qu'en fait, on a besoin d'eau, ça prend. 99%. 96. Oui, non, elle utilise bien le couteau, c'est bien ce que j'avais... C'est pour ça que je les ouvre pas, ces trucs-là. C'est une personne qui m'en parlait dans les commentaires. C'est pour ça que je les ouvre pas. Si on n'a pas d'ouvre-bois, je les ouvre pas. Parce que ça utilise le couteau. Et ça utilise énormément le couteau, c'est ça qui est un peu abusé, je trouve, par contre. Non, c'est la porte que je veux. Mais non, mais c'est la porte que je... Elle est où, la porte? Allô? Okay. C'est ça, le problème, c'est que ça use énormément. Donc, c'est un truc à pas faire. Mais là, honnêtement, je m'en veux un peu. Il fait combien? Moins 15, il fait même pas froid. Même quand il fait froid, il fait pas froid. On va les laisser à l'extérieur. On va dormir. Alors, on n'a pas trop d'eau. Ce qu'on va faire, on va boire les tisanes. Bon, par contre... Alors, ce qui est embêtant dans cet endroit, c'est que pour trouver le lit... Alors, bonne chance. Enfin, sauf quand vous êtes bon. Quand vous êtes bon, ça passe. Voilà. Alors ce qu'on fera, on boira ça et après on boira les tisanes. Si jamais on n'a pas assez, quand on se réveillera. Et ben voilà, c'était une bonne aventure. Donc nous sommes à la colline au signal. Nous on vient d'ici, on vient de là. La colline au signal et maintenant il nous reste tout ça à explorer. On a un ours juste à côté, donc on va complètement enlever la viande et tout ça. On va faire tout cuire. On va retourner un peu en arrière, vous voyez, genre là. Genre ici.
pour aller récupérer du bois, ce qu'on va faire, c'est ça qu'on fera la prochaine fois. On va faire cuire tout ça, la viande, on sera tranquille comme ça. Ça prendra pas trop de temps, enfin j'espère pas. Et après, on ira explorer. Et puis voilà quoi, c'est honnêtement tranquille. Très très tranquille. Je pense que les épisodes qui arrivent vont être peinards. Vont être assez peinards. Donc c'est bien, on est à 33 kilos, c'est très bien. Voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne nuit à tous et à la prochaine.